écrit un livre, voilà. T'es en train d'écrire un livre, toi? Oui. Bon, écoute, oublie, c'est pas grave. Non, bah non, attends, on a trop dit, là. Attends. Un livre, j'ai deux éditeurs qui m'ont appelé aujourd'hui. Grémillard, c'est la maison d'édition la plus prestigieuse. Je suis très impressionné par votre livre. Je me dis, si Léa, elle y arrive, pourquoi pas moi? Je crois que je vais me mettre à la sculpture. Depuis qu'on en parle, j'ai plein d'idées, là. Paul Valéry dessinait une demi-heure avant d'écrire. Rimbaud, il prenait de l'opium. Et moi, je lessive les placards. Pas con. C'est un groupe d'amis qui se connaissent depuis toujours et peut-être la plus insignifiante en apparence d'entre eux, écrit un livre qui devient un gigantesque phénomène de société. Et le film raconte l'entourage qui vit plus ou moins bien, plus ou moins mal, ce succès. Je sens tellement que la littérature, c'est pour moi. Ça me rend dingue que Léa m'ait volé mon art. Et j'aimerais vraiment que tu le lises. Attends, là, parce que c'est le moment de la série où on va comprendre qui est le tueur. J'ai écrit un livre, il y a plein de gens qui l'achètent. J'ai enfin trouvé mon truc. Ouais, c'est dans la casserole, en fait. Du coup, bah, je passe un peu à la télé. T'as rien du tout, hein, ça va s'arrêter, hein. Si tu m'offres la moto, la chambre d'hôtel et tout, je peux pas. Je peux pas être un mec en dessous de lui, voilà, c'est tout. On était bien comme on vivait avant, bordel, non? Avant, c'était simple, je te disais un truc, elle écoutait. C'est une femme qui est assez discrète, assez douce, assez tranquille, et qui écrit, en fait, en cachette, et qui va être éditée, qui va devenir connue. Et tous ses copains autour vont être chamboulés par ce changement. Ils vont tous se remettre en question et ça va remettre en question leur amitié à tous les quatre. Et c'est une comédie parce que c'est toujours de la mécanique humaine, de l'aveuglement, des gens de mauvaise foi qui disent une chose et qui en font une autre. Si ça c'est publié, je veux dire, moi je suis hyper publiée, non ?